Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, vous êtes presbyte. Que choisir, lunettes ou lentilles? Christophe Lachaud, vous êtes contactologue. En effet, vous avez le choix. Vous avez le choix de faire des verres progressifs ou le choix de faire des lentilles progressives. Et le système n'est pas du tout le même. En lunettes, je vous ai ramené mes lunettes, mais je ne suis pas presbyte parce que je n'ai pas encore 43 ans, mais bientôt. Alors, comment ça se passe? La vision de loin est en haut du verre et la vision de près est en bas du verre. Ça, ce sont les verres progressifs. En lentille, c'est différent. La lentille va suivre votre œil, donc la vision de loin et la vision de près passent dans la petite pupille au même moment. Donc c'est ça la différence entre le verre progressif et la lentille multifocale. Alors, comment on s'en sort justement avec une lentille pour dissocier la vision de loin et la vision de près et pour faire qu'on soit confortable à tous les niveaux? On utilise une aberration dans la lentille qui s'appelle l'aberration sphérique. Ça déforme un peu la lettre, si vous voulez, et ça donne de la profondeur de champ, ce qui permet à la fois de voir de loin et de voir de près avec ce type de lentille de contact. Ce qui perturbe les gens souvent au niveau des verres progressifs, c'est la difficulté supposée d'adaptation. Oui, On se alors dit c'est une bonne mal à la remarque. tête, ça va être compliqué. Voilà, Alors, c'est une bonne avec les remarque. Donc, lentilles, est-ce que c'est pareil? ça n'a rien à voir. En lunettes, en effet, il y a des aberrations latérales qui peuvent poser problème. En lentille, ça ne fait pas du tout ça. C'est juste que comme on fait voir de loin et de près en lentille de contact, la vision à la fois de loin et de près est un petit peu moins bonne qu'en lunettes. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à faire ce compromis visuel. Qu'est-ce qui se passe si on cumule par exemple de la presbytie et de la stigmatie? Ça fonctionne toujours? C'est sûr que ça complexifie nos adaptations. Maintenant, les laboratoires développent de plus en plus de lentilles qui sont à la fois astigmates et à la fois presbytes avec multifocale. Ça, c'est possible aussi. Voilà, quel que soit votre problème, les lentilles, pensez-y, il y a sans doute une solution.